Bonjour à tous, nous sommes donc à notre quatrième causerie sur la Bible autrement. La semaine dernière, nous avons parlé de Caïn et Abel, le premier fratricide humain, en nous appuyant sur la réflexion du Maharal de Prague, telle que expliquée par André Néher, développée longuement dans les travaux d'André Néher, qui montre en fait l'échec de la communication. C'est-à-dire qu'il y a ici un problème entre Caïn et Abel, entre les deux frères. Il y a une incapacité pour les deux personnes de dialoguer, et ça se termine en bagarre qui finit parce que un a raison sur l'autre. Donc il n'y a pas ici de coupable ou d'innocent, il y a ici une évaluation de la nature originelle de l'homme et de la manière dont il faut s'affranchir pour arriver à un chemin, à un champ de pacification. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique de responsabilité de l'autre. Je vais commencer par alors c'est pas le même sujet, mais on peut dire que c'est en continuité sans être en continuité, dans le sens que chaque causerie peut être écoutée à part. Alors, je vais commencer d'abord par dire cette chose-là qui me semble assez intéressante. D'abord, on va souligner une chose, c'est que la Bible, alors évidemment, la Bible, il faut le prendre aussi un petit peu comme de la mythologie, je ne suis pas en train de vous dire que ces récits ont vraiment eu lieu. Mais il se trouve, les commentateurs d'ailleurs abordent cette question de façon très longue, peut-être qu'on fera une causerie précisément là-dessus, qu'à l'origine, la Bible humanise, si on peut dire comme ça, une divinité à tel point qu'elle est partie prenante dans l'aventure humaine, qu'elle dialogue avec l'homme sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de caractère prophétique où il y aurait simplement des élus qui seraient susceptibles d'entendre une voix d'origine divine ou peut-être un peu issue de leur imagination. Tout cela est sujet à discussion. Mais il y a un Dieu qui dialogue avec l'homme et qui le prend même à partie et même parfois s'interpose. On verra dans beaucoup de causeries certains exemples à ce sujet où il y a une faculté assez surprenante de rendre ce Dieu quelque part humain, avec ses qualités et ses défauts, avec ses travers de caractère. On en fait même un Dieu jaloux. Vous voyez, pour dire à quel point ces choses-là sont assez significatives. Si on sort un petit peu de la doxa ambiante du monde des synagogues et des églises et des mosquées, on peut s'apercevoir qu'on peut avoir une vision un peu plus élargie du divin et le mettre en scène dans une forme de dialogue avec l'humanité. Alors, le texte midrashique et talmudique fait souvent état de cette notion, donc c'est intéressant aussi de faire des parallèles. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser à une chose un peu humoristique. Lorsque j'étais tout enfant, mon père me disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Vous savez, les enfants sont tous croyants, donc on est intrigué pourquoi le père ne croit pas en Dieu. Et il me disait qu'il ne croit pas en Dieu parce que quand il était petit enfant, on lui disait à la synagogue que dès qu'il allait faire une petite bêtise, il allait recevoir des coups, parce que Dieu, il a un petit bâton dans la main, et il donne des coups à ceux qui font des bêtises. Et mon père, il a fait un jour une grosse bêtise, et il s'est rendu compte qu'il allait cru qu'il allait recevoir un seau d'eau sur la tête, il n'a rien reçu, donc il s'est dit, donc ça veut dire que Dieu n'existe pas. Bon, c'est la réflexion un peu très, très puérile et enfantine. Mais ça nous amène à notre réflexion à nous, puisqu'on voit que Adam et Ève mangent une pomme, ils sont interpellés immédiatement. Et ils cherchent, chacun d'eux, à trouver une excuse. Ensuite, il y a Caïn et Abel qui commettent une faute. Bon, d'abord, ils amènent un sacrifice à Dieu, et puis tout de suite, ils sont au courant, ils sont dans les petits papiers de Dieu, hein, ils savent tout de suite si Dieu accepte ou Dieu rejette le sacrifice. Et puis après, ils se retrouvent devant la bagarre entre eux, hein, et puis il y en a un qui tue l'autre, Caïn tue Abel, et tout de suite il y a Dieu qui interpelle Abel, et il l'interpelle d'une façon assez intrigante. Rappelez-vous dans la Genèse, lorsque, au début, donc avant, dans la faute d'Adam et Ève, la fameuse faute, hein, on en parle le jeudi, donc on ne va pas tout répéter, on s'aperçoit que lorsque Dieu interpelle Adam, il lui dit « Ayeka, où es-tu ? » Alors tous les commentateurs, même les écoles hérétiques, on va dire. On dit, voilà, le Dieu biblique ne sait pas où est l'homme. Il ne sait pas, il lui demande où es-tu. Et il y a une très très belle interprétation de Rashi qui dit « Leikanes imo badvarim ». C'est une manière d'introduire le dialogue. Cette phrase est magnifique parce qu'elle a un sens moral très fort.
sur la question des relations humaines. Souvent, lorsque nous avons un conflit, c'est très fréquent dans les conflits de couple, donc c'est intéressant d'aborder ça aussi sur cet angle. Alors, on est tout de suite saisi par un problème et tout de suite, on arrive et on se plaint. Non. D'abord, ce qu'il faut, c'est dire bonjour à la personne, c'est la laisser entrer, c'est lui donner son espace. Une fois qu'elle a son espace, qu'elle est accueillie, alors on peut dire, voilà, on a une difficulté à résoudre. Et c'est un peu ce que Dieu fait. Il tâtonne un peu avec Adam. Il ne lui dit pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'ai donné un fruit, etc. Et donc il lui dit au contraire, où es-tu? Comment tu te situes déjà maintenant dans ton contexte personnel? Je m'intéresse à toi. Une fois que je saurai que je m'intéresse à toi, alors à ce moment-là, ben, on pourra peut-être essayer de dialoguer ensemble et d'essayer de régler nos comptes. Et on voit cette même attitude de Dieu entre Caïn et Abel. Hein, je préfère repréciser parce que c'est très important. Ici, je ne parle pas d'un point de vue de la croyance. La croyance, c'est intime, ça relève de chacun. Je parle ici d'un point de vue des idées, hein, la manière dont on comprend les idées qui sont évoquées ici. Qu'on soit croyant ou non, on peut imaginer, la littérature le fait allègrement, une conception du divin, une conception de la divinité, comme pour paraphraser Lévinas, je dirais le Dieu qui vient à l'idée. Tout à coup, on pense à quelque chose qui nous entoure. Donc le Dieu, là, va voir Caïn, il lui dit pas, mais pourquoi t'as tué ton frère? Il lui demande, où est ton frère? Je cherche ton frère, il est où? Ça, c'est étrange, il sait pas où est Adam, et maintenant il cherche son frère. Et Caïn lui dit, mais moi, je sais pas où est mon frère, suis-je le gardien de mon frère? Alors, dans la rhétorique biblique, Caïn est en train de mentir. Il l'a tué, mais il veut pas l'avouer à Dieu. Hein, il a caché le corps. Alors que dans la conception, disons, philosophico-biblique, qui ressort de cette idée, c'est évidemment l'éthique de responsabilité. Cette notion d'éthique de responsabilité à l'égard de l'autre va parcourir toute la Bible. C'est peut-être l'idée centrale, avec celle de la justice, de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus. On est confronté à cette idée de l'autre. Cet autre qui nous est hostile. Cet autre que nous devons aimer, ou parfois peut-être que nous devons punir. Et toutes ces questions-là sont des questions absolument centrales. Il y a ici deux éléments importants que je voudrais faire remarquer. C'est bon, la responsabilité de l'homme, qui est mise ici en avant dans cette affaire de suis-je le gardien de mon frère? C'est Genèse 4,9. Hein, Dieu lui dit, où est Abel ton frère? Et Caïn répond, je l'ignore. Suis-je le gardien de mon frère? Alors moi, je vous avais envoyé par mail un petit midrash que je trouve très intéressant. Un midrash, donc ça remonte à l'époque talmudique, donc c'est le début de notre ère, le 3e, 4e siècle, qui fait une analogie avec un voleur qui déroba la nuit sans se faire prendre une pièce de musée. Là, on est presque dans la littérature. Alors le matin, le voleur fut interpellé par le gardien. Pourquoi as-tu commis ce vol? Alors le voleur lui répondit, mais moi, je suis un voleur. Et mon travail, c'est de voler, et j'ai bien fait mon travail. C'est-à-dire que moi, j'ai été efficace. Pas eu de problème. J'ai réussi à voler sans que personne me découvre. Mais toi, tu es le gardien du musée. Mais tu n'as pas fait ton travail. La preuve, c'est que tu m'as laissé m'emparer de l'objet. Et maintenant, c'est toi qui viens me reprocher pourquoi j'ai volé. Vous voyez, la rhétorique midrashique est assez intéressante. Elle retourne la responsabilité. Donc la responsabilité n'est plus sur le voleur qui vole l'objet, même si en vérité c'est lui le voleur. La responsabilité devient sur le gardien qui n'a pas fait attention. Donc en fait, Caïn était en train de dire à Dieu, moi j'ai tué mon frère, c'est vrai, mais le responsable c'est toi. Tu m'as laissé le faire. Et t'étais où? C'est pas où est mon frère, c'est toi, t'es où? Tu me laisses faire. Vous voyez, c'est très amusant. Et donc c'est ce que dit en fait Caïn à Dieu. Il lui dit, si j'ai tué Abel, et ça c'est très intéressant parce qu'on reviendra sur ce sujet dans nos conférences sur jeudi, du jeudi, vous avez bien compris que c'est le centre de ma réflexion, c'est la question de l'homme, c'est parce que tu m'as créé avec une inclination au mal. Là, j'ai employé ici l'expression kantienne, dans le langage talmudique, on parle de Yetzirara, qu'on traduit par c'est pareil, l'inclination au mal ou le penchant mauvais, et que tu m'as pas empêché de le faire, alors que c'est toi le gardien de toute la création. Et encore une autre responsabilité de Dieu, si tu avais accepté mon offrande, je n'aurais pas été jaloux de mon frère. Et nous ne serions pas arrivés là.
Alors, sur la question de l'acceptation de l'offrande, il y a une très longue réflexion que là je vais à peine survoler parce que le jeudi on va l'aborder très très longuement, qui est une question d'Albo, Rabbi Yosef Albo, Joseph Albo, qui est du 14e, 15e siècle, début du 15e, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Principes. Alors moi je l'ai ici en hébreu, en deux volumes. Bon, c'est en hébreu, vous ne pourrez pas le voir, mais c'est un des fondements de la pensée juive, c'est un philosophe, un très grand talmudiste, mais qui a surtout un langage philosophique. Il est l'un des plus grands contradicteurs de Maïmonide, et il était le disciple d'un certain Chesda et Kreskas, qui a écrit Les Lumières de l'Éternel et qui existe en français. Malheureusement, le Sefer HaYekarim n'a pas été traduit. Je me suis dit, il y a 20 ans, qu'un jour, il faudrait que je le fasse, mais je ne l'ai toujours pas fait, donc je ne sais pas si un jour ça arrivera, à l'âge que j'ai, on verra. Mais c'est un livre il faudrait vraiment le traduire. Et il est opposé surtout de la conception des principes de foi de Maïmonide, il est très critique vis-à-vis de Maïmonide. Et il est célèbre, j'en parle beaucoup dans mon livre sur Jésus, qui j'espère maintenant sortira dans un mois, parce que ça repousse un peu tout le temps, pour ce qu'on appelle la dispute de Tortosa. C'est l'une des plus graves disputes judéo-chrétiennes à cette époque-là, donc en Espagne, où il y avait plusieurs rabbis qui ont participé à cette dispute, dont Joseph Albo. Et il a aussi, dans le livre des Principes, un très long chapitre où il dialogue avec les chrétiens. Dans son livre, le Sefer HaYekarim, Albo pose une question centrale. Je vais l'aborder beaucoup plus longuement jeudi, là je survole, hein, sur la question de l'évolution de la loi. Est-ce que la loi divine peut être sujet à une évolution? Alors, Maïmonide semble dire non, mais même en vérité, ce que dit Maïmonide mérite caution, mérite débat, mérite examen, on va dire. Et ce que fait Albo, c'est qu'il reprend les propos de Maïmonide et il les réfute. Et pour les réfuter, il dit qu'en réalité, il y a le premier changement fondamental qu'on trouve dans la Bible, dans la loi divine, c'est la notion de l'herbivore et du carnivore. Puisque quand on regarde le début de la Genèse, on s'aperçoit que l'homme partage la même alimentation que le règne animal. Il ne mange pas de viande. Avec Noé, après le déluge, on fera une causerie sur Noé, il parle il est question de ne pas manger un membre d'un animal vivant. C'est-à-dire, t'as faim, tu arraches la cuisse d'un poulet, puis tu la manges. Alors que la poule est vivante. Non, il faut d'abord tuer l'animal, et ensuite tu peux le cuisiner, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est interdit, c'est d'un point de vue talmudique, c'est un interdit universel qui concerne l'humanité entière, et pas simplement le peuple juif. Ça fait partie de ce qu'on appelle la loi de Noé. Les mitzvot des Noirs, la loi de Noé, on parlera aussi de ça dans les causeries suivantes. Donc, je vais vite. Ce que dit Albo, c'est que pourquoi il y a cette évolution alors que quand on est dans une logique du végétarisme, je ne vais pas maintenant l'aborder maintenant, hein, je ferai peut-être une causerie si vous voulez entièrement sur le végétarisme, mais quand on est sur la question du végétarisme, on croit, on considère légitimement, je ne m'oppose pas à ça, que le fait de ne plus manger de viande, de prendre la décision de ne plus manger de la viande, est d'un point de vue spirituel une évolution, puisqu'on est ce qu'on mange. Albo, lui, il voit les choses un peu différemment. Alors, il n'aborde pas du tout la question d'un point de vue du végétarisme, mais il dit la possibilité, ou disons la permission humaine de manger de la viande, relève d'une évolution du statut humain par rapport au règne animal. Rappelez-vous, ça aussi c'est une réflexion d'Albo, ce qui distingue l'animal de l'humain, les deux règnes en fait, c'est qu'on part d'abord du règne animal pour devenir humain. Autrement dit, Adam et Ève partagent la même alimentation que les animaux, mais qu'une fois que que l'homme évolue, alors il a une autorité sur les animaux. Or, on s'aperçoit que Abel a offert un sacrifice animal à Dieu, alors que Caïn, il a offert des fruits de la terre, du produit de la terre. Et si on réfléchit d'un point de vue textuel, pourquoi Dieu a-t-il rejeter le sacrifice de Caïn et pas celui d'Abel. Alors on pourrait dire parce qu'il n'était pas sincère, mais le texte ne le dit pas clairement. Le texte dit que le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu et pas celui de Caïn. Maïmonide, il donne une explication qui est textuelle. Il dit, en fait, parce que quand on lit le verset, Abel, il a emmené
des premiers-nés de son troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire les premiers-nés? C'est ce qui était considéré, d'un point de vue biblique, comme le meilleur de la vie du troupeau. Donc il a pris le meilleur, il a pris ce qui a le plus de valeur, ce qui vaut le plus. La notion de premier-né est une notion très importante d'un point de vue biblique. Alors que la description à propos de Caïn, c'est qu'il a pris des fruits, il a pris des récoltes. C'est-à-dire qu'il est venu avec son sac, il a ramassé sans regarder si c'était de la bonne qualité. Et il a offert à Dieu. Donc ce que dit Maïmonide, c'est que le fait que Abel ait pris les premiers-nés, ça veut dire qu'il a fait attention à amener ce qu'il avait de meilleur. Et le fait que Caïn a apporté des fruits, c'est qu'il a été négligent. Mais Albo, il ajoute une chose. Albo ajoute que Abel, en apportant un sacrifice animalier, il a montré une certaine supériorité par rapport à Caïn, par le fait qu'il avait la légitimité de pouvoir sacrifier à Dieu du règne animal. Alors que Caïn ne pouvait pas amener à Dieu du règne animal, puisqu'il était agriculteur, donc il a amené de la végétation, qui est l'alimentation au début du récit de la création, qui est partagée entre l'homme et l'animal. Au-delà de cette question-là, de la supériorité, entre guillemets, hein, mettez des guillemets partout, d'ailleurs c'est des sujets qu'on a déjà abordés plusieurs fois à propos de l'Ecclésiaste, etc. Au-delà de cette réflexion, je parle de l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste dit la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, tout est vanité. Vous avez cette phrase dans Qohélète. Vous voyez, après, il y a encore un retournement de situation. C'est une question qui est récurrente et qui, d'un point de vue scientifique, n'a pas de sens, parce qu'on ne sait rien dire, ce qui est supérieur ou inférieur. Et d'un point de vue moral, c'est jamais très clair. Il se trouve que l'homme a une légitimité sur l'animal parce qu'il en mange. Je vais vous donner encore un exemple assez amusant. J'aime bien que le dimanche, ça soit un peu ludique. C'est que ma fille, il y a quelques années de ça, aujourd'hui, elle évolue peut-être un petit peu. Il faut, à chaque fois que je l'interroge, parce que les enfants sont toujours radicaux, me disait il y a quelques années, sans le savoir, qu'elle est dans la logique qu'on appelle les spécismes, les antispécismes, ceux qui considèrent qu'on n'a aucun droit sur le reste de la création. Donc elle pensait, ma fille, qu'on n'est pas supérieur, même pas à une plante, même pas à une fleur. Mais elle acceptait de manger de la viande. Alors moi je dis, mais alors pourquoi tu manges de la viande? Elle me dit, moi je mange de la viande parce que je me rends compte que la nature est injuste. Puisque pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir vivre, et c'était assez intelligent pour son âge, elle devait avoir, je sais pas, 13-14 ans, pour se nourrir, eh ben, on doit manger ce que la nature nous donne. Autrement dit, les animaux s'entretuent entre eux aussi pour pouvoir se nourrir. Donc, puisque les animaux s'entretuent entre eux pour pouvoir se nourrir, puisqu'ils détruisent les plantes, ben nous aussi on fait pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un droit supérieur. Ça ne veut pas dire que. Alors, on va avoir tendance à vouloir sauver l'humain parce que l'humain, il fait partie de la même famille que nous. Mais en réalité, ce n'est pas moins grave d'aller tuer un chat que d'aller tuer un être humain dans la rue. Vous voyez, c'est des conceptions qui existent. Hein, bon. Moi, j'ai dit à ma fille, écoute, je te laisse réfléchir à ta façon, c'est ta façon d'évoluer, tu peaufineras plus tard ton point de vue. Bon, j'ai discuté un peu avec elle, j'ai essayé d'être un petit peu le contradicteur, mais il faut jamais empêcher les enfants de réfléchir à leur manière et d'évoluer à leur façon. Donc, sur la question de l'être en tant que tel, on peut réfléchir, gloser à l'infini, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de développer deux choses, et là, je vais m'arrêter parce qu'on est bientôt en fin de causerie. Mais je voudrais avec vous développer deux points qui sont des points de réflexion qui nous ouvrent à une réflexion éthique. On a dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est la notion de. Alors en hébreu, Shomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? C'est la notion de responsabilité de l'autre. Oui, je suis le gardien de mon frère quelque part. Et que si une société a des criminels, alors c'est d'abord de la responsabilité des gens honnêtes. Autrement dit, parce qu'on permet que dans une société, il y ait des criminels. C'est une question d'éducation, c'est une question de cadre de vie, c'est une question de cadre social. Si on n'est pas responsable de l'autre, alors il n'y a plus de société. On va beaucoup, beaucoup parler de ça par rapport au noachisme, VS, la révélation du Sinaï, etc. C'est un sujet qu'on va aborder dans les causeries suivantes. Donc la première responsabilité, c'est faire sens au niveau de la société, ce que les philosophes arabes appellent, empreint de la philosophie grecque, ce qu'ils appellent la cité idéale. C'est-à-dire la cité idéale, c'est une cité vivante où les gens peuvent vivre. Et on va se rendre compte que les tentatives bibliques avant la révélation du Sinaï, on pourrait dire, c'est-à-dire que tout le livre de la Genèse ne parle que de ça, que de ce problème d'une société viable.
pouvons-nous vivre dans une société ensemble, en commun? Pouvons-nous partager un destin commun? Ça, c'est la vraie, véritable question biblique. Je vous invite dans mon livre L'Autre, la première partie, je parle très longuement de cette question d'éthique de responsabilité. Donc la première question, elle est là, l'éthique de responsabilité. Et puis ensuite, il y a une deuxième réflexion sur le fratricide. J'avais cité la dernière fois le fameux passage du Talmud, que celui qui tue une vie, tue l'humanité entière, et celui qui sauve une vie, sauve l'humanité entière, qui est un passage qui est repris dans le Coran, qui est déduit en fait de ce meurtre de Caïn contre Abel. Parce que dans ce meurtre de Caïn contre Abel, il y a l'humanité abélienne, on pourrait dire, qui est perdue à jamais. Autrement dit, lorsqu'on tue quelqu'un, on tue son destin existant, potentiellement existant. Mais il se trouve que Caïn est maudit par Dieu, mais il n'est pas puni. Et même pire encore, il est protégé par Dieu. Le verset dit que dans le chapitre 4 de la Genèse, que Caïn, lorsqu'il sait qu'il doit errer toute sa vie sur terre et que la terre ne produira plus avec abondance, il dit à Dieu, mais Dieu, la faute, la punition que tu me donnes, elle est trop lourde à porter, je ne pourrais pas porter une si grave punition. Et Dieu lui dit, et non, et Caïn il dit, et si une certaine humanité me verrait, plus tard, elle me tuerait. Et Dieu répond à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait, ne le tuera point. Cette idée, elle est très importante parce que elle montre ici une sorte de peine paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a une peine parce qu'il y a un signe. Hein, le signe, excusez-moi de faire une analogie très, très, très flagrante, c'est un peu le QR code hein, qu'on nous donne aujourd'hui, qui dit, voilà, on n'en fait pas de blanche, on a un QR code, donc lui aussi. Il avait un signe, ce signe montrait qu'il était un criminel, tout le monde pouvait le savoir, hein, c'est aussi un peu le bracelet électronique du prisonnier. Vous voyez, comme quoi on fait des analogies assez, assez modernes. Mais en même temps, on ne doit pas toucher à Caïn. Et le verset qui suit, juste sans transition, le verset qui suit nous dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. » Donc Caïn enfanta. Et c'est de cette notion-là d'enfantement, en fait, qu'on comprend l'idée. C'est-à-dire que quelle est la réparation, même si c'est un crime reste un crime, même si on a mis des enfants au monde. Mais quelque part, une fois qu'on a tué, alors il faut reconstruire l'humanité. Et c'est ce que fait Caïn. Il reconstruit l'humanité. Donc il y a ce souci biblique de réparation. Et on est tout le temps dans quelque chose où il y a une défaillance, et on répare la défaillance. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'idée centrale que je voudrais partager avec vous par rapport à ce récit de la Genèse. Donc là, moi, je vais m'arrêter donc, pour la causerie. Donc là, j'arrête la vidéo.